à tous, bienvenue sur France 2 pour une soirée exceptionnelle. Notre dernier rendez-vous, c'était il y a 7 mois et ce soir-là, eh bien, vous avez fait de France 2 la chaîne la plus regardée de France. Vous étiez plus de 5 millions à nous accompagner avec Clovis Cornillac en Chine à la rencontre des Miao. Alors merci, merci du fond du cœur pour votre incroyable fidélité. Et puis merci d'être avec nous ce soir pour un rendez-vous en terre inconnue, inédit. Ce soir, nous partons pour un voyage extrêmement dépaysant, une grande bouffée d'oxygène au pays de l'éternel ciel bleu. Je vous emmène aux confins de la Mongolie, à la rencontre d'une famille de nomades pas comme les autres, trois générations unies par un amour incroyable et une énergie contagieuse. Je vous promets qu'à la fin de cette soirée, eh bien, vous vous souviendrez longtemps de ces êtres humains, de leur sourire et de leurs valeurs qui nous renvoient évidemment aux nôtres. Juste après le film, eh bien, nous serons en direct pour répondre à vos questions. Elle sera notre porte-parole ce soir, votre porte-parole. Elle nous rejoint pour la première fois. Je vous demande d'accueillir chaleureusement celle qui fait désormais partie de la famille, Églantine Émeillé. Bonsoir à tous, bonsoir Frédéric. Je suis très heureuse d'être là. Ça fait 15 ans qu'on se connaît et je suis content que vous soyez là ce soir. Il est content. Merci en tout cas de m'avoir proposé de vous accompagner tout au long de cette soirée, de vous accompagner, vous qui êtes devant votre écran, qui nous regardez. C'est vrai que rendez-vous en terre inconnue, c'est toujours un moment très fort, une évasion pleine d'émotions, des images qu'on n'oublie jamais et qu'on n'a pas envie de rater. Alors justement, si vous vous êtes déjà installé tranquillement devant votre écran, pensez éventuellement à vos amis, votre famille qui auraient oublié ce rendez-vous. C'est le moment de leur envoyer un texto, histoire qu'il n'ait pas ce petit pincement au cœur demain quand vous leur raconterez toutes ces images que vous avez vues. Alors soyez sympa, vous leur envoyez le SMS maintenant, vous vous installez, vous profitez. Et puis tout au long du film, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Pour ça, c'est très simple, vous les posez en envoyant RDV au 41 555 ou alors sur le site internet de France2.fr ou encore via les réseaux sociaux avec le hashtag RDVETV. TI, vous posez vos questions et moi, tout à l'heure, je les relayerai à Frédéric ou à Mélanie Douté. Surtout, n'oubliez pas. Merci, Églantine. Effectivement, celle qui m'a fait confiance et qui a accepté de me suivre les yeux fermés jusqu'au bout du monde est une comédienne très appréciée du grand public et pour cause. Comme vous, j'avais craqué pour elle au cinéma et à la télévision, notamment dans Clara Scheller sur France 2. Eh bien, depuis ce voyage et ces deux semaines passées avec elle, je sais désormais que c'est une très belle personne. Elle est dans la vie comme à l'écran, intelligente, pétillante, très drôle et elle a un sens de l'autodérision exceptionnel. Mesdames, messieurs, merci de faire un triomphe à celle qui m'a suivi au bout du monde, Mélanie Douté. C'est un peu à l'opposé de ce qu'on a vécu au bout du monde. Ah oui, ça n'a rien à voir. Non, déjà, on est assis sur un truc normal et moi, tout. Je suis déstabilisée de ne pas vous voir en anorak. Bah ça me fait plaisir. Mais ce n'est pas la ligne qui me va le mieux dans le film. Ouais. Vous aviez hâte quand même, tous les deux, de vous retrouver là, devant ce moment où enfin vous délivrez à tout le monde ce film dans lequel vous avez mis quand même beaucoup de vous-même. Oui, moi, je suis impatiente que les gens voient ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti, rencontrent les personnes qu'on a rencontrées. Découvre ces paysages, oui j'ai hâte. Ouais. Et puis là on va découvrir un peu quand même la vraie Mélanie Douté, parce que là vous ne vous cachez pas derrière des textes, derrière un personnage, c'est vous, ouais. Vraiment. Ça ouais. Vous fait quoi là, à quelques minutes, de vous dévoiler au public? Je sais pas trop, je suis de nature plutôt pudique, donc je sais pas très bien, ça va aller. Je vis avec moi, donc j'espère que je suis pas détestable. Ce bafouillement peut en dire long, peut-être. Frédéric, pourquoi est-ce que vous avez choisi Mélanie? Alors, elle m'était extrêmement sympathique au cinéma, et puis je peux vous dire que dans la vie encore plus, je pense que le public va être fan de son rire. Je n'en dis pas plus, ça se retient. Et c'est vrai qu'on a beaucoup ri avec elle, et puis elle a une présence exceptionnelle, une attention aux autres exceptionnelle. Et puis c'est vrai qu'on a rencontré des gens, on était en huis clos, hein, parce qu'on était en immersion totale, on a vécu dans une yourte, et on se réveillait le matin avec des gens qu'on ne connaissait pas, et donc ça crée des liens très 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 forts. Et donc voilà, donc Mélanie, elle était exceptionnelle, elle est pure, c'est quelqu'un de pur, et c'est peut-être pour ça que les journalistes ont dit que ce film était sans doute le meilleur de la série. C'est très étrange, mais c'est vrai que c'est un peu la quintessence de Terre Inconnue ce soir. Mélanie, vous avez accepté sans hésiter. Vous connaissiez Frédéric avant ou pas du tout? Oui, je le connaissais. En fait, Frédéric m'avait déjà proposé de partir avec lui en terre inconnue. Et pour des histoires d'emploi du temps, ça ne s'était pas fait. Et là, le hasard a très bien fait les choses parce que la destination a une histoire avec ma famille. C'est
totalement hasardeux, mais donc j'étais ravie de partir avec Frédéric. Oui, j'ai très envie de partir avec lui, j'adore cette émission. Frédéric est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Il faut avoir une confiance totale comme ça pour se jeter dans l'inconnu avec quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien et on ne sait pas à quoi on s'attend dans un... Ah oui, puis d'entrée, Paris. C'est-à-dire que dès le moment où on arrive dans l'aéroport, on nous bande les yeux, on nous met du casque sur les oreilles, on a très bien compris que l'émission va se fier complètement à Frédéric. Mais ça, c'est plutôt agréable. Oui. Juste sans dévoiler le film, Mélanie, est-ce que vous pourriez nous dire en deux mots ce que vous avez ressenti pendant ces 15 jours? Ce que vous en gardez? Il y a tellement de choses, mais du bonheur, de la joie. Je remercie Frédéric et son équipe de m'avoir accompagnée dans ce voyage, de m'avoir fait découvrir cette famille. Et, j'étais bien. J'étais très bien. On sent qu'on aimerait y retourner. Voilà, assez je vous confirme. Rapidement. Et puis on a le trac en fait, parce qu'effectivement, c'était quoi, au mois de mars, je crois. Ouais. Et donc on est impatients de montrer ça. C'est 1h50 et au fond, ça résume 15 jours de notre vie. Et donc, on y va ou bien? Moi, je pense qu'il faudrait y aller là. C'est parti. Je crois qu'on attend. Je vous propose maintenant donc de nous envoler pour l'extrême ouest de la Mongolie. C'est là-bas, sur les contreforts des monts Altaï, que vit une famille très attachante, vous allez le voir, qui a accepté de nous accueillir dans son monde, un monde qui peut sembler loin du nôtre. Ces hommes et ces femmes courageux et drôles défendent une philosophie de vie qui ne vous laissera pas indifférent. Rendez-vous en terre inconnue avec Mélanie Douté chez Les Nomades de Mongolie, un film inédit réalisé par Pierre Steen. On se retrouve juste après en direct. C'est ici, à l'extrême ouest de la Mongolie, que vit une famille d'éleveurs nomades un peu particulière. Ils sont parmi les derniers représentants d'un savoir-faire unique et rare. En Mongolie, être éleveur n'est pas un métier, c'est une identité, l'emblème de toute une nation. Dans un décor lunaire battu par les vents, la nature dicte ses lois. Des lois qu'une famille a décidé de défier. Pendant deux semaines, nous allons essayer de comprendre ce qui unit ces êtres hors du commun. Départ vers l'inconnu. À cet instant précis, la comédienne Mélanie Douté s'élance vers une destination dont elle ignore tout. Sa seule certitude, elle a rendez-vous en terre inconnue. C'est une surprise qui a tellement de goûts différents, je sais pas, entre le voyage, la rencontre, la découverte, l'inconnu. C'est un mélange de plein de trucs qui donne envie. Je ne veux rien imaginer, je ne veux rien attendre. Je vais essayer d'être juste dans le présent de ce qui se passe. Bonjour monsieur. Bonjour. On est deux passagers. À la seconde où je vous parle, la comédienne Mélanie Douté est dans un taxi. Oui. Et elle n'a aucune idée de l'endroit vers lequel elle s'envole. Elle n'a pas peur de partir sans savoir où elle va? C'est un bordel dans ma tête là. Trop d'infos, trop d'images, trop de trucs, je sais pas. Trop de je sais pas. Où est-ce qu'on sera demain, même coucher de soleil, où est-ce qu'on sera? Elle a fait comment sa valise? Alors, c'est moi qui ai fait sa valise. Et pour brouiller les pistes, je lui ai fait essayer des vêtements chauds et des vêtements froids. Là, je pense que je vais sur la lune. Le look que ça fait. Je pense pas aller pouvoir faire très très vite hein, là-dedans non plus. Bonjour. Maman. Ah bah là, c'est le festival de Cannes. Je vois que ça. Je vais prendre un mojito, s'il vous plaît. Mais c'est un peu ambiance allemand, quoi, quand même, avec les chaussures, hein, pardon. Alors moi, j'aime bien manger de la fondue, tout ça. Marc, tu peux faire ce que tu veux, là-dedans. Je pense que tu peux te casser la gueule. Ouais, ça approche. Alors, on est en train d'arriver, porte 4, il faut y aller, là. On y va. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. En vrai? En vrai, j'ai l'impression d'avoir oublié plein de trucs. J'ai l'impression d'avoir oublié une valise, d'avoir oublié un passeport, d'avoir oublié quelqu'un. Stress, hyper stress. Hyper curieuse, hyper... Non, je sais pas. Ça passe par tous les... Par toutes les étapes, tous les sens. Vous savez qu'à la seconde où je vous parle, il y a une famille qui vous attend quelque part dans le monde. Ah.
Ça, c'est mouvant. Moi aussi, je les attends. On y va? Ah oui. C'est bizarre. Très. Je suis très curieuse, très excitée. Comme un peu le trac. Le trac d'être à la hauteur d'une situation, de bien savoir la gérer, la vivre, de pas essayer de prouver quoi que ce soit, d'essayer d'être... Alors oui, je vais être spontanée parce que je vais être très surprise. Mais l'inconnu, ça pose tellement de questions. Je suis entre l'enfant qui adore les surprises et l'adulte qui se dit « qu'est-ce que je vais vivre, quoi ?» Et c'est quoi le moteur ? Oh, le moteur, c'est le plaisir, quand même. Si j'ai cette banane-là, c'est qu'il y a beaucoup de plaisir et d'envie d'y aller, quoi. Comme vous ne savez pas où vous allez, ouais. Racontez-moi comment ça s'est passé. Vous avez imaginé tout ou pas du tout ? Non, j'ai essayé de pas du tout imaginer, de rien imaginer, de mettre aucune image dans la tête. De ne rien attendre. Non, de me laisser complètement porter et guider par vous. Attention. Grosse pression. Grosse pression. Bon, votre condition physique. Alors là, faut pas s'attendre. Attention. Non, je suis pas une athlète. Bon, je rentre. Mais votre attachement au confort. Je pense que j'ai une capacité d'adaptation. Vous espérez ou pensez? Non, mais je vais m'adapter. C'est le but aussi de la surprise. Ça, c'est pour les écrans. Je vous laisse le mettre. Et pour je ne vois rien. Oula, ok. Tac, tac. Ok. On y va? Oui. Attendez, pour être sûr que vous ne sachiez pas dans quelle direction on va. Oh non! C'est la fin, je peux le dire. Un grand pas. Non, j'ai vachement vite. C'est assez curieux parce que... Je me laisse complètement guider, c'est-à-dire que je dirais que ça commence, quoi. Vous êtes mon guide. Je suis pas trop agrippée au bras, ça va? Ça va. Bonjour. Merci beaucoup. Merci. On va rentrer dans l'avion, j'imagine. Et là, yes. Vous voulez savoir, c'est maintenant? Ah oui, alors tout de suite. Donc là, vous avez envie de savoir? À cet instant précis, parce que c'est irréversible, cette oui, sensation. Oui, non. Attendez, je me détache. Oui. Donc Mélanie, je vous emmène dans un pays où les paysages sont très spectaculaires, où il y a plus d'animaux que d'hommes. Plus d'animaux que d'hommes. Vous dans êtes... un zoo. J'espère que vous aimez les grands espaces. Parce que là-bas, l'espace semble infini et la densité de population est très particulière parce qu'il y a moins de 2 habitants au kilomètre carré. Ok. Là, vous êtes où? Je suis dans la merde. Je sais pas. Je vous emmène aux portes du désert de Gobi. C'est où? Oui, c'est où? Aux portes du désert de Gobi. C'est la littérature, en fait. On projette trop de trucs, en fait, dedans. Donc, je sais pas du tout. Je vous emmène à l'extrême ouest de la Mongolie. Oh, c'est pas vrai. D'accord. OK. Alors, attends, extrême ouest... Attends, déjà, faut que je... D'accord, OK. Ah, ouais. Dans l'extrême ouest... Ouais, d'accord. D'accord. Spontanément, ce qui me vient, c'est que j'ai des origines très très lointaines mongoles, donc ça me touchait énormément d'aller dans ce pays, voilà. Parce que je pensais pas que j'allais y aller un jour. Enfin, je voulais y aller un jour, mais je pensais pas que ça allait être là. Donc, des origines. Ouais, ouais, clairement. Mais très très lointaine. Mais je suis hyper hyper heureuse d'aller là-bas. Ce qu'on va voir sont nomades. Il faut savoir que les Mongols sont les derniers grands représentants du nomadisme dans le monde. Mmh. Alors c'est une tradition ancestrale, séculaire, mais qui confronte à des bouleversements. Des bouleversements climatiques et économiques. Et pour comprendre tout ça, nous allons à la rencontre d'une famille qui est exceptionnelle. 3 générations d'éleveurs qui se battent pour leur survie et pour la sauvegarde d'un animal dont je ne vais pas vous parler, ce serait une surprise. Oh non. Parce que cet animal, figurez-vous qu'il est unique au monde. Unique au monde. On arrive au printemps. Mais les températures peuvent avoisiner les moins 30 degrés. D'accord. Bah oui, bah évidemment. Et on va leur serrer la main dans 4 jours, parce qu'il y a 4 jours de voyage. Non, arrêtez. 4
4 jours de voyage. Oh. D'accord. 4 jours de voyage, ok. C'est génial. Mais c'est impressionnant par rapport à ma famille. Non mais vraiment, hein, ça me touche beaucoup. Hein. Bah, j'ai une photo là de mon arrière-grand-père qui est mongol, mais mongol quoi. Les pommettes, les yeux, les... Ça va en bouleverser dans ma famille. Hein. C'est fou. Non, c'est canon. Je suis pas contente. Ulaanbaatar, Mongolie. Ulaanbaatar. Sur la terre de vos ancêtres. Ah, c'est dingue. Ulaanbaatar, la capitale, concentre près d'1,5 million d'habitants, presque la moitié de la population de la Mongolie. Seul véritable centre économique du pays, Ulaanbaatar agit comme un aimant, attirant inexorablement les habitants des steppes. Et donc c'était le grand-père de votre maman qui était mongole. Oui, c'est mon arrière-grand-père. Et donc, le bébé, c'est votre maman? C'est ma maman, ouais. Il y a des chameaux ici. Avec ce froid-là. Pour rejoindre les contreforts des monts Altaï, nous devons prendre un dernier avion direction plein ouest. Encore 1200 km à parcourir. Magnifique là. Est-ce que je vous avais dit que je vous emmenais sur Mars ou pas? Ah ouais, c'est vrai. C'est un décor de Mars. C'est incroyable. C'est beau. Hein. Je m'en irai dormir sur le paradis blanc. C'est incroyable qu'il y ait un aéroport ici. Il y a un jour, quelqu'un qui s'est dit tiens, je vais faire un aéroport ici moi. Mais bien utile. J'ai hâte de voir le duty free. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, la dame? Il y a une dame qui m'a dit bonne chance. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Il y a rien autour de l'aéroport. Rien. Ils allaient où, les gens qui étaient dans l'avion? Après 4 jours de voyage, l'immensité de la steppe s'ouvre enfin devant nous. Encore quelques heures de ces routes qui ressemblent à des lignes de vie tracées dans la neige et la glace. Ici, tout est rare, sauf les animaux. Dans ce pays à la plus faible densité de population au monde, il y a presque 20 fois plus d'animaux que d'hommes. Il y a un clignotant la voiture là. Il baisse au clignotant. Je vois pas très bien où est-ce qu'on peut aller là. Il y a une montagne en face là, elle est au courant. Et si on s'arrête? Et on rentre vous aussi. Il dit ça, je suis en train de faire un peu. Il est en. Ok. Voilà. Ça veut dire qu'on a rendez-vous ici.
On récupère les sacs. Merci. Ça va? Ouais, très bien, merci. C'est ici? Ah, il était bien, c'est une des. On était au Moussin, tout ça, c'est dingue, oui, votre porte. Ça va, Esther? Merci. Va y être là. Va y être là. Je sais pas pourquoi je dis merci, parce que... Il s'est pas trompé. Parce que là, il y a rien, quand même. C'est assourdissant ce silence, non? Pas encore trop. Non, c'est pas désagréable. Non, mais c'est-à-dire que là, il va apparaître une personne. On a rendez-vous avec, avec un éleveur. Oui. Il s'appelle Niam Suren. Niam Suren. Niam Suren. Niam Suren. C'est sans doute le meilleur éleveur de la région, en tout cas c'est le plus admiré. Et il vient avec son fils le plus jeune. Oui. Khan Baya. Khan Baya. Khan Baya. Khan Baya. Niam Suren. Niam Suren. Khan Baya. Éleveur de quoi? Ils vont nous dire. Ah oui. Et on ne sait pas par où ils arrivent, bien sûr. Le chauffeur nous a dit que c'était par là, non? Oui. Ou alors il nous a dit n'allez surtout pas par là, vous allez mourir. C'est peut-être ça qu'il a dit. C'est la vallée de la mort. Je sais pas. J'ai pas très bien compris. Oui, il fait chaud, il fait bon. Ça fait tout doux, là. Ce paradoxe entre le blanc qui fait pureté absolue, puis l'aridité de la pierre. Hein. C'est pur, mais hostile. Oui, oui. J'ai tellement pas de repères. Vous vous voyez comme une citadine? Ah, je suis très, très citadine. Enfin, par exemple, j'ai toujours dormi dans un lit, je crois. Ah, j'entends du bruit. Des chameaux? Ce sont des chameaux qu'on appelle les chameaux de Bactriane. Bactriane? Bactriane. C'est surréaliste. C'est là, j'ai l'impression d'être dans un conte d'enfants, une histoire d'enfants. Oh là là! Bonjour. Bonjour. Frédéric, Fred. Nimsurun. Nimsurun. Nimsurun, Mélanie. Mélanie. Mélanie, oui. Mélanie, bonjour, Hanbayer, je suis Mélanie. Je suis vraiment content de vous voir. Asseyons-nous. Comment s'est passé le voyage? Très bien. Et on est très content du voyage. Pour arriver jusqu'ici, c'est déjà oublié le voyage. Maintenant, on est avec vous. Ça, c'est bien. Prends la tabatière. Ça sent bon, hein? On y met du tabac à priser. On ouvre? Ouais, vas-y, ouvre-la. Ici, cet hiver, il a beaucoup neigé et il a fait froid. En ce moment, il fait meilleur. La neige fond. Il a fait très très froid cet hiver? Oh oui.
Il a vraiment fait très froid. Jusqu'à moins 50. Par moins 50, aucun véhicule ne peut circuler. Et du coup, on ne se déplace qu'à d'autres chameaux. Ils sont magnifiques, vos chameaux. Ils sont magnifiques. Vous aviez déjà vu des chameaux? Pas comme ça, jamais. Avec des poils longs et un piercing dans le nez. Jamais. Le piercing, comme tu dis, c'est pour conduire, comme un volant. Ils ont l'air très doux. Oui, ils sont doux. Et ils sont sensibles aussi, tu sais. Ils peuvent même pleurer parfois. Si, c'est vrai. Oh. Je suis très content de vous voir. On n'a pas tous les jours des visiteurs dans ces montagnes. C'est même rare. J'ai imaginé plein de choses de notre rencontre et c'est encore plus incroyable que j'imaginais. Merci. Je vous emmène rencontrer ma famille. À d'autres chameaux, c'est pas très loin. Parce que moi, je suis jamais montée sur un chameau, donc je jamais montée. Je sais, ça se passe bien. Ils sont gentils, ils supportent. Ne t'inquiète pas, ils sont dociles. Allez, on y va. C'est ton premier cours d'éleveuse. Il peut supporter quel poids, le chameau? 300 kilos. Bonjour, je vais monter sur ton dos. Je te préviens. C'est vrai qu'on dirait des peluches, hein? Ouais. On a envie de faire un câlin. Ouais, bon. Ok. Ok. Prends la bride pour le diriger. C'est moi qui le dirige? Bah oui, c'est toi. Qui d'autre? Il suffit de s'accrocher à la bosse, hein. Putain, je suis en train de diriger un chameau, quoi. Ok, c'est parti. Ah, j'ai quand même le cœur à 1000 à l'heure, hein. C'est bon, Moi, je trouve que ça vous va bien, en tout cas. C'est vrai que vous avez l'air beaucoup plus décontracté quand on vous voit de dos. Oui, hein. Je suis pas du tout détendu là. Enfin, je suis pas... Je suis un peu tendu. Je suis très concentré. Mais c'est pas désagréable, hein. J'ai l'impression d'être un seigneur. Fred d'Arabie? De Mongolie. Fred de Mongolie. C'est bien, Mélanie. Je passerai un bon coup de peine, moi, tu vas voir. T'en coûtes l'épaisseur? Moi, j'ai l'impression que vous vous détendez, là. Ouais, ça va mieux. T'as vu la plaine? Les montagnes, là, la couleur, elle est hallucinante. Quel âge tu as? 38. Presque, 39. 39. 39, ok. Tu fais quoi dans la vie, Mélanie? Je suis comédienne. Au théâtre et au cinéma. Ah oui. Ici, ça n'a rien à voir avec ce que tu fais en France. Ah, rien. On est arrivé. Fantastique. C'est un peu magique. Merci. Bienvenue chez moi.
merci de nous accueillir chez toi. C'est notre yurte. Entrez. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Uyun Tuya. Soyez les bienvenus. Allez-y, entrez. Asseyez-vous. C'est pas des tabourets. C'est une table. Asseyez-vous. Non, pas par terre. Ah, voilà. Sur les tabourets. Non, c'est comme ça. Ah, merci. Vous n'êtes pas obligé de tout boire. Mais goûtez au moins. Mais moi, merci. Je t'ai dit, vous n'aimez pas le lait. Mais oui, mais je ne dis pas. C'est du lait de chamel. C'est bon. Merci. Elle a quel âge, la petite? 2 ans. 2 ans. Elle a un gros couteau, quand même. Quand je lui enlève, elle se met à pleurer. Allez, ma chérie, lâche-le. On veut... Lâche-le. On veut... Tenez, servez-vous. C'est du fromage séché et des biscuits. Alors... Bon appétit. Et... Non, c'est papa. C'est papa qui donne. Allez, mon trésor. Prends-le. C'est une petite chèvre dehors qu'on entend. Ah, mais elle est dedans. Oh, regarde. Le cœur, tout. Je lui fais peur. Non, c'est normal. Le cœur des petits bat toujours très vite. Ah. Et pourquoi celles-ci, elles sont à l'intérieur? Parce qu'il fait trop froid la nuit dehors. Ils têtent et après on les rentre. Et le matin, ils rejoignent le troupeau. Et nous, où est-ce qu'on peut dormir? Là où vous êtes. Nos invités dorment à côté de nous. Ah, d'accord. Mais merci de nous ouvrir votre maison, alors. On est content de partager ces moments avec vous. Et on a peut-être des choses à apprendre les uns des autres. Super. Ouais. Ah, voilà mon fils aîné. Bonjour. Bukhoyer. Bukhoyer. Frédéric. Fred. Mélanie. Qu'est-ce que vous faites brûler, pardon? Du crottin de chameau. Mais ça sent pas du tout. Non, parce qu'il est sec. S'il était frais, ça sentirait fort. Ah, allez, voilà. C'est mon père, mon frère et sa femme. Frédéric. Cotard. Bonjour, Mélanie. Mélanie. Bonjour. Tim Bayus. Frédéric. Bonjour. Bonjour, c'est Tim, Mélanie. Ah. Merci. Alors, sur la peau. Et comment ça s'est passé, le voyage? Oui, j'ai passé un bon voyage et je suis très contente d'être ici avec mon ami Hatchoum. On va boire le verre de bienvenue. La meilleure des boissons. L'autre main. Ah, c'est la main droite, la main droite. Voilà. Normalement, il faut se couvrir la tête pour recevoir un cadeau. C'est important.
C'est toi d'abord. Il faut tremper l'annulaire dans le verre. Et trois fois en l'air, comme ça. Deux. Trois fois. C'est ça. Ok. Je fais le vœu que tu deviennes une bonne éleveuse de chameaux. Je ferai de mon mieux. Donc il y a du réseau? Non. Un peu. Ce téléphone nous sert à appeler des amis quand on cherche des chameaux qui sont perdus. C'est pratique. Quand il n'y aura plus de feu, tu seras contente d'avoir cette couverture. Ah, ça va faire. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et encore merci pour l'accueil. C'est votre première nuit en sac de couchage? Oui. Première nuit en Mongolie. Dans une yourte. Dans une yourte. Entourée de chameaux. Je sais pas du tout comment va se passer la nuit. Hein. Vous savez pas si vous allez dormir? Oui. Pourquoi dès qu'il y a des changements, ça vous perturbe? Bah, faut un petit temps d'adaptation quand même, c'est pas un petit changement là quand même. J'espère juste que j'aurai pas à sortir dans la nuit. Ah oui. Ça va? Bien dormi? Oui. Et toi? Oui, très bien. Bonjour. Ça va? Pas trop froid? Non, ça a été. Mais par contre, qu'est-ce que je suis reconnaissant au Yunpiga de nous réchauffer la yourte le matin au réveil. Oh là là. Ça fait du bien un bon feu le matin. Ça plaît à tout le monde. Vous ne faites pas de feu le matin chez vous? Chez nous, on a un chauffage qui chauffe avec des radiateurs. Et ça chauffe les pièces. Et elle chauffe toute la nuit, toute la journée. C'est bien ça. Vous avez de la chance. Oui, on a de la chance. On laisse d'abord boire le bébé, et après on va traire la femelle. C'est bon, il a assez bu. Maman. Tu te mets ici, tu cales le seau avec ta jambe, et tu prends les mamelles, tu vois, comme ça. Il y a quatre mamelles, tu les prends deux par deux pour traire. Et tu pinces comme ça? Vas-y, essaie. Les mamans, déjà. Ok. Oh, ça sort. Oui, ça commence. Ah, ça y est. Ça sort, mais par contre... Tu mets tout à côté. Viens, Fred, on va chercher l'autre petit. Attends, explique-moi. Là, on va chercher le chamelon de quelle chamelle?
Je regarde quel chamel mon père amène, et puis je cherche son chamelon. Mais ils ont tous la même couleur. Mais pas du tout. Ils sont tous différents. Franchement, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Y'en a pas une qui a envie de téter, là? Elle. Non. Elle. Non. Derrière. Elle. Non plus. Bon. Bah, elle est pas là. C'est celle-là. Ah, mais je l'ai dit, elle, hein. Mélanie, elle dit qu'elle a le même rire que les chèvres. Moi, j'aurais dit un hennissement de cheval. Oh la putain! Viens, on va les amener à leur mère. Dingue! Mais attends, attends! Oh, pardon! Oh, il vient de naître, il y a une naissance! Dis-moi, c'est une naissance? Oui, elle vient de naître, mais sa mère est partie. Oh! Elle est où l'assistante sociale? Regarde, c'est la noire, sa mère. Ah, c'est... Elle file. C'est sa première fois, elle ne sait pas trop quoi faire. C'est pour ça qu'elle s'enfuit. Ah! Oh, petit peur, il essaie de se relever, regarde comme c'est mignon. Mais qu'est-ce que c'est que cette mère? C'est fascinant comme moi. Il y a un peu d'équilibre. Mais c'est un peu nous quand on rentre de soirée, quoi, en fait. Hein? On a laissé les chevreaux têter un peu, mais maintenant les chèvres doivent repartir dans les pâturages. Il faut rassembler les petits. Sir, yes, sir. Pardon. J'ai peur de leur mettre dessus. Aïe! Vous savez, je n'ai pas toujours été éleveur de chameaux. La vie est riche et nous réserve beaucoup de surprises, bonnes ou mauvaises. Avec Oyuntuya, on s'est mariés en 2000. Un an plus tard, il y a eu un dzoud qui a duré toute l'année. Un dzoud, c'est un phénomène naturel, mais c'est une catastrophe. Il ne pleut pas pendant l'été et il y a énormément de neige en hiver. Pendant des mois, les animaux n'ont presque rien trouvé à manger. On avait 400 moutons. Et à la fin de l'année, il nous en restait à peine une quarantaine. On ne peut rien contre la nature. T'as perdu 350 animaux. Ouais, c'est ça. J'arrive pas à imaginer, en fait, ta vie à ce moment-là. Parce qu'en fait, toi qui es quelqu'un de très volontaire, d'un seul coup, tu deviens impuissant. Et dès que tu sors de ta yourte, tu vois des animaux qui meurent, en fait. C'est l'hécatombe. C'est l'apocalypse. Notre bétail, c'est toute notre richesse. Et là, on avait tout perdu. J'ai pensé aller vivre en ville, mais je n'aurais pas trouvé de travail. J'avais une femme et un premier fils. Je voulais qu'il ne manque de rien. Je réfléchissais beaucoup. Alors, je suis allé voir mon père, et il a été extraordinaire. Il m'a dit... Les dzouds, ça arrive. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est pas la fin du monde. Tu dois être fort, te battre et travailler encore plus. On part pas en ville parce qu'on a perdu son bétail. Tu dois vivre là où tu es né, dans cette magnifique région. À l'époque, mon père m'a donné 8 chamelles. C'est un animal solide qui peut résister aux dzouds. Mais je ne connaissais rien aux chameaux. Donc vous avez appris sur le tas? Oui, j'ai dû tout apprendre. Je n'avais jamais élevé de chameau.
C'était il y a 14 ans. Et le troupeau a bien grandi depuis. Donc tu es passé de quelques bêtes à un troupeau incroyable comme celui-là. Tu dois être fier. Bien sûr. Mais ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir réussi à adapter ces animaux des steppes à la montagne où nous vivons. Ils peuvent transporter beaucoup de poids et aller partout dans la montagne. Au début, les gens disaient, tu n'y arriveras pas. Les chameaux ne sont pas faits pour ça, ils ne resteront pas vivre dans ces montagnes. Mais j'étais bien déterminé à le faire. J'ai fait beaucoup d'efforts pour arriver à les adapter. C'était vraiment mon but ultime. Tu es d'accord pour qu'on dise que tu es têtu? Je suis peut-être têtu, mais... Tu sais, j'ai surtout suivi ce que me disait mon cœur. Et ta femme t'a toujours soutenu, toujours suivi et... Elle n'a pas eu peur, elle, de ça? Ma femme m'a toujours soutenu. Et pour ça, je la respecte énormément. Je l'aime tellement. On va lui en parler. Vous pouvez. Merci, patron. On va essayer d'attraper des jeunes chameaux qui n'ont pas encore été dressés. Pour ça, on doit fabriquer des cordes avec du crin de yak. On en met trois ensemble pour que ce soit encore plus solide. On pourrait tracter une voiture avec. Ah, j'ai compris. Tac, tac. Non. Ok. C'est la spécialité de ton papa un peu ça, non? Ah oui, c'est lui le spécialiste. Bon allez, je vais essayer. Mais je suis pas vraiment bon au lancer. Je vise pas bien. Oh, presque! Yes! Oh! Oh! Putain! Oula, 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 ils en ont attrapé un deuxième. Il souffre, là. Non, ne t'inquiète pas. Il n'a pas mal. On a l'habitude, tu sais. On est obligé de lui mettre ce bâton dans le nez. Oh, putain. Ça lui fait un peu mal, c'est sûr. Mais c'est la seule manière de pouvoir diriger le chameau après. Lui dire où aller. Sinon, ce serait comme une voiture sans volant. Il sera incontrôlable. On fait comme ça, depuis toujours. Vous savez, j'aime pas leur faire de mal. Ça me rend triste, mais je suis obligé pour le dressage. Je ne fais jamais de mal aux animaux, je ne chasse même pas. J'aime pas ça. Pourtant, tout autour de nous, dans les montagnes, il y a beaucoup d'animaux, vous savez. Des mouflons, des bouquetins, et plein d'autres encore. Mais c'est important de garder un équilibre. On est dépendant de la nature. C'est la planète qui nous nourrit. On doit la respecter, si on veut pouvoir se respecter nous-mêmes. Pour pouvoir les dresser,
on les laisse d'abord partir dans tous les sens et courir là où ils veulent. Une fois qu'ils sont calmés, on essaye de leur apprendre à aller à gauche, à droite. Il faut juste rester dessus. Il va partir dans tous les sens. Ouais. T'as peur? Non, ça va. Mais le fils, il est parti. Ben, il est à Paris. Ouf. Chameau. C'est vraiment un animal très doux. Si on est brutal avec lui pendant le dressage, ça n'ira pas. Par contre, quand on fait doucement, ils sont très dociles. Et en plus, ils aiment qu'on chante pour eux. Et vous, vous voulez faire quoi alors? Vous voulez être sédentaire ou éleveur nomade plus tard? Moi, je serai éleveur. On a beaucoup de bétail et mes parents sont seuls à s'en occuper. Papa m'a demandé si j'avais envie d'être éleveur et de m'occuper des animaux. J'ai réfléchi et j'ai décidé de rester pour aider ma famille. En fait, je crois que je n'avais pas le courage de les laisser. Je m'inquiète pour eux et je veux les aider. Donc je vais rester et devenir éleveur. Je suis plutôt heureux, tu sais. Je suis le fils de l'éleveur de chameaux. Et plus tard, moi aussi je serai éleveur et héritier des troupeaux de mon père. Ça me rend vraiment très fier. Mon frère va rester à la campagne. Alors moi, je pense que c'est mieux que j'aille étudier en ville. J'aime bien le sport, l'écriture ancienne mongole, l'anglais et le russe. Mais tu parles français aussi. Ça va? Super. Moi, ça va, super. Moi aussi, ça va super. Ah, t'as enlevé ton vernis? Non, il est parti tout seul. Oh, t'as gratté. En fait, j'ai un produit pour l'enlever. Parce que t'es coquette, tu te maquilles, hein, je vois, tu mets du fond de teint, un peu du noir sous les yeux. C'est vrai, j'aime bien ça. Je me maquille souvent. Souvent, tous les jours, non? C'est dur d'être toujours dehors avec le vent, le soleil, le froid. Je pense que c'est bien pour ma peau. Ça la protège. Et puis j'en ai vraiment besoin. Comme un fumeur avec ses cigarettes. Donc c'est un geste qui tu le fais parce que ça te fait du bien. Et ton mari, il aime bien quand tu te maquilles? Miam Suren me laisse toujours du temps pour le faire. C'est qu'il doit aimer quand je me maquille. Mais c'est juste parce qu'il te laisse du temps, Miam Suren, que tu penses qu'il trouve ça joli ou il te le dit qu'il trouve ça joli? Mon mari, il ne me fait pas beaucoup de compliments. C'est peut-être son caractère.
Il le pense peut-être. Mais il ne me parle plus vraiment de ma beauté. Ça m'arrive parfois de lui demander si le maquillage me va, si je lui plais. Et il n'a toujours qu'un seul mot à la bouche. Parfait. Parfait. Super. Non, c'est pas non plus extrêmement expansif. Tu n'as qu'à lui demander, toi. Je vais m'en charger. Je voudrais remettre du vernis. Tu peux m'aider? Il est dans mon sac. Oh, mais Niam Suren, il peut pas ranger ses affaires. Oh, écoute! Tu lui diras. Il a pris de mauvaises habitudes avec le temps. On va prendre celui-là. Ok. Je n'aurais jamais pensé que quelqu'un me mettrait du vernis à ongles un jour. Tu es une vraie professionnelle du vernis. Moi, je me sens meilleure en vernis qu'en traite de Chamel, hein, je reconnais. Tu veux que j'en mette à ta fille? Viens. Oh, oh, bon. C'est vraiment difficile. Tes cheveux sont compliqués. J'ai l'impression de peigner une chèvre. Oh, mais toi, décidément, qu'est-ce que je ressens? J'ai tout d'un animal, en fait. Est-ce que tu peignes les chèvres, quoi, pour la laine? Oui, on les peigne pour le cachemire. Hein, tu veux faire une écharpe avec mes cheveux? Ah voilà, maintenant je suis un poney. Tu me fais rire. Mais qu'est-ce qu'il porte? Oh, c'est un bébé chameau. Incroyable. Il est né quand? Il est né où? Il est né aujourd'hui, à 4 ou 5 kilomètres d'ici. Il est né aujourd'hui. C'est touchant, le... J'ai envie de le caresser, mais j'ai peur de contrarier la maman. Je découvre le monde. Elle le lèche. Il est tout doux. Tu peux le caresser. Et donc les bosses, elles se remplissent au fur et à mesure? C'est ça. Elles se remplissent progressivement de graisse. Tout dépend de ce qu'il mange. Et est-ce que tu vas lui donner un nom? Oui. Tu peux choisir. Oh là là, responsabilité. Moi, si c'est une femelle, je l'appellerais Mélanie. Ah non. Mais si, c'est une bonne idée. Comme ça, je penserai à toi. Alors. Je vais rouler ma bosse. On n'a qu'une fille, c'est notre trésor. On la laisse faire tout ce qu'elle veut. En fait, c'est une drôle d'histoire. Vous savez, on veut toujours ce qu'on n'a pas. Et nous, pendant 13 ans, on a essayé d'avoir une petite fille. Nos deux garçons, un jour, ils vont se marier. J'aurai des belles filles, mais... c'est pas pareil. On avait très envie d'avoir une petite fille pour nous deux. Avant qu'il ne soit trop tard. Mais ça ne marchait jamais. J'étais vexée à chaque fois.
Je pensais beaucoup de choses tristes. Niam Suren était là pour me réconforter et pour m'aider. Il m'a aidée. Il me comprenait et me soutenait beaucoup. Depuis un moment, on se disait qu'on pouvait peut-être adopter. Et un jour, en allant à la maternité voir la sœur de ma femme, on a entendu qu'une très jeune fille venait d'accoucher et qu'elle voulait faire adopter sa fille. On est tout de suite allé voir les médecins. Le bébé était né avec un mois d'avance, mais elle était en bonne santé. Et sa mère aussi. C'est comme ça qu'on a adopté notre petit trésor. Je me rappelle, elle était tellement petite que je la tenais dans le creux de mes mains. Quand on l'a ramenée chez nous, elle pleurait pour téter. Le lait de chamel qu'on lui donnait la rendait malade, alors j'ai commencé à essayer de lui donner le sein. Les gens me disaient que parfois, on peut arriver à avoir du lait comme ça. Je n'étais pas sûre de moi. Mais j'ai toujours senti quelque chose de très fort entre nous, comme si elle avait toujours été ma fille. Au bout d'un mois d'essai, j'ai commencé à avoir un liquide transparent. Et petit à petit, c'est devenu du lait. C'était magique. On était unis par un lien mère-fille vraiment très fort. Petit à petit, elle a pris du poids, elle a grandi et elle a commencé à manger d'autres aliments. Après ces longues années d'attente, son arrivée est un miracle. Et c'est pour ça qu'on la gâte. Elle est vraiment notre trésor. Je n'avais jamais entendu une histoire autour d'une montée de lait sans grossesse. Jamais. C'est bouleversant. En effet, c'est que de l'amour, quoi. La puissance de l'amour, c'est magnifique. Aujourd'hui, je me dis que si on a vraiment envie de quelque chose, il faut toujours suivre son désir et que parfois on peut avoir ce qu'on veut. Depuis qu'elle est là, on est tellement bien. Elle nous remplit de joie. Quand je parle de ça, je me sens toute bizarre. Je suis encore émue, ça me fait pleurer. Désolée pour cette émotion, mais je suis tellement contente de me rappeler de ces moments et de parler de cette histoire avec vous. On ne parle pas de ça tout le temps, ni avec n'importe qui. C'est juste qu'on se sent bien avec vous. Pardon d'avoir pleuré, ça va aller maintenant. Il ne faut pas se pleurer, au contraire, c'est une très belle histoire. Aussi, ce que ça raconte, c'est la belle histoire d'amour de vous deux, de votre couple, la force, l'amour qu'il y a entre vous. Ça se voit dans tous les regards que vous échangez, mais ça, tu le démontres dans cette histoire aussi. Merci beaucoup. Ce sont de très jolis compliments. On ne parle jamais de notre histoire, même à des Mongols. Vous êtes les premières personnes à qui on confie notre secret. Plus on parle, plus on a des choses à se raconter. Surtout nous, les femmes. On aime beaucoup papoter. Oui, mais là, c'est l'heure d'aller se coucher. Il est tard. Et avant, on va faire le dîner. Hein? On va pas se coucher sans manger. Allez, on ne traîne pas. Les animaux ont soif. Je vais toujours au même endroit pour donner à boire aux animaux. Il y a une rivière souterraine, et là où elle fait surface,
Elle ne gèle jamais. Un peu plus loin, elle est couverte de glace. Et à cet endroit-là, je peux faire boire le troupeau. Même quand il fait moins 50. On passe par là, là, avec toutes les autres bêtes et tout, sur ce petit truc comme ça, hyper pentu, on fait ça. Oui, on va passer sur le côté. C'est pas si raide. C'est ça aussi notre travail, j'en suis fier. Eh ben j'avoue que je commence à sentir monter la fierté mongole, parce que je te jure, ce que je suis en train de vivre, je pensais que jamais j'allais plus être capable de le faire. Ça, vous êtes... Ah, je crois que c'était votre silhouette. Le plus beau canapé du monde. Il est vraiment multifonction, quoi, cet animal. C'est vrai. Là, il nous protège du froid. Des éleveurs ont déjà survécu à une tempête grâce à leur chameau. Mais il sert aussi pour le transport. Et maintenant, on les entraîne même à la course. Moi aussi, je le fais. Ah ouais? Ouais, j'ai quelques chameaux pour la course. Tu cours? Oui. Et mes fils aussi font des courses. Ah ouais? Et ils gagnent? Ça arrive. Quelquefois, Bour et moi, on gagne. On a même eu des médailles. Elles sont à la maison. Ça fait 14 ans que je m'occupe des chameaux. Et j'aime leur caractère. Ils sont sensibles et j'ai beaucoup d'affection pour eux. Ils m'ont appris à être plus intelligent, je crois. Ce sont des animaux très doux qui ne supportent pas l'agressivité. Ils m'apprennent à rester calme. Plus je suis calme, plus ils le sont aussi. Tu veux dire que depuis que tu as démarré l'élevage des chameaux il y a 14 ans, ils ont déteint sur toi? Tu n'es plus la même personne qu'il y a 14 ans? Ah, si je n'étais pas devenu éleveur de chameaux, j'aurais sûrement été un peu plus agressif, plus colérique. Aujourd'hui, je ne m'énerve plus quand les gens me critiquent. Grâce aux chameaux, j'ai appris à me maîtriser. Il y a un lien invisible qui vous lie toute votre vie, quoi. Il y a un truc, il y a un lien. Tu sais, j'aime les chameaux de tout mon cœur. Je ne les élève pas pour l'argent. Si je voulais gagner plus, j'aurais juste des moutons et des chèvres. Ce serait plus facile. Et avec beaucoup de chèvres, j'aurais plus de cachemire et donc plus d'argent. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux les acclimater à la montagne. Et j'aimerais qu'il y ait plus de chameaux en Mongolie. J'aime cet animal. C'est pour ça que je me donne autant de mal. Oui. Votre chameau? Ouais. Ben, un peu éternué dessus. Ah, c'est ça votre jambe? Voilà, c'est ma jambe. Oui, ben je vous remercie, vous avez eu un doute. Vous n'avez pas froid? Non, ça va. Cet endroit s'appelle Chemtra. On y trouve du sel par terre, vous voyez? On vient de temps en temps pour en donner aux chameaux. C'est bon pour eux. J'ai vu qu'il y avait une pioche, là, sur... Une hache, non? Une hache. Et là, à mon avis, du sel, donc c'était de l'eau. Là, il y a du gel, c'est gelé. On va chercher de l'eau, c'est ça, pour mon bain? Voilà, c'est ça, pour ton bain. Dis-moi, ça va? Moi, ça va. Super! B, let's go, Sam! Hi, donc Sam! La glace va pas craquer comme ça, Mélanie. Tu vois? C'est creux. Oula, mais l'eau, elle est là. T'as vu? Attention, tu vas tomber là. Mais ouais! Ça semble que ça craque pas, hein. Ouh là là.
pas. Vous ne craignez rien. La glace est épaisse. T'as pas de gants, attends. Tiens. Aïe, on stop. Tiens. Prends mes gants. Non, c'est pas la peine. Garde-les, sinon ils seront mouillés. Allez, les gars, allez. Détendez. Quand je pense que nous, on ouvre un robinet. Mélanie, tu peux tenir le chameau ? Tête, hein ? Tout ce que tu veux, pas de problème. Alors, je veux dire, aucun problème. Pas mal, hein ? Cette quantité de glace suffira pour 4 ou 5 jours. T'as de la chantilly partout, chérie. Ça va? Ouais, ça va. Super. Pas tout. T'as tout dans Sam. Super. Et tes mains dans l'eau glacée, ça y est, t'as plus froid? Oh ouais. Alors que les dernières lueurs du jour semblent gommer l'horizon, Niem Suren souhaite partager avec nous un autre de ses trésors. Non, il est beau ton royaume, hein? J'aime la vue qu'on a d'ici. Être si haut, c'est la troisième plus grande montagne de notre région. J'adore cet endroit où je suis né. Et j'adore venir ici. Je suis content que le coucher de soleil vous plaise. J'ai jamais rien vu d'aussi beau. Sa mère? Bonne nuit.
Bonne nuit, mon fils. Faites beau rêve. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Un grand voyage se profile. Pour Niem Suren, le rêve de toute une vie qui va se réaliser sous nos yeux. Comme avant tout événement majeur, Niem Suren prend le temps de se mettre en lien avec l'invisible. Je dois aller dans le désert de Gobi, chez le plus grand éleveur de chameaux de Mongolie. Il me faut un nouveau chameau pour mon troupeau, un mâle reproducteur. Mais le désert de Gobi est très loin d'ici, ce sera long. On y va tous ensemble et je suis responsable de vous. Donc, je dois demander aux esprits qu'ils bénissent notre voyage, qu'ils soient bienveillants. Je veux leur demander de nous protéger. Alors je vais le demander aussi. Les flammes purificatrices crépitent dans le froid de ce lieu sacré. Niem Suren accomplit un rite ancestral qu'il souhaite transmettre à ses enfants. Il demande aux esprits protection et prospérité pour ce voyage et pour les siens, dont nous faisons partie momentanément. Après deux jours de voyage et plus de 1000 km parcourus, nous voici enfin au cœur du célèbre désert de Gobi. L'enjeu est d'importance. L'homme que nous allons rencontrer est très respecté, l'un des plus grands éleveurs du pays. Et malgré les apparences, ce jour-là, Niem Suren est plutôt nerveux. Il est d'accord qu'il fait plus froid que chez... Mais il y a un vent incroyable, en fait. Et un vent très froid. Mélanie Heureux de vous voir, je suis Niem Suren. Niem Suren. Niem Suren, oui. Asseyez-vous. Je vois que vous êtes venu accompagner. Oui, en effet. Voici ma femme et ma fille. Et des amis qui viennent de très très loin. Je suis très content que vous soyez tous venus voir mon troupeau. Vous avez beaucoup d'animaux ? J'ai 1000 chameaux. Mais ils sont où ? Certains sont dans les dunes. On ira les voir ensemble après. Niem Suren, il a la banane, il est content. C'est vrai, je suis heureux d'être là. C'est la première fois que je viens dans le désert de Gobi. Et je suis fier de rencontrer le plus grand éleveur de chameaux de Mongolie. Est-ce que vous savez qu'il y avait un petit bonhomme en Mongolie qui avait décidé de sortir les chameaux de leur environnement naturel, donc le désert de Gobi, pour les élever et les adapter à la montagne? Dans la vie, tout est possible. Les chameaux sont des animaux qui peuvent s'adapter à beaucoup de choses. Mais pour ça, il faut les habituer dès leur plus jeune âge. Alors, vous avez beaucoup de diplômes, oui, et beaucoup de médailles. On peut savoir pourquoi? C'est l'État qui nous a remis ces diplômes, pour nous féliciter de notre expertise et de nos compétences. C'est la preuve que notre élevage a bien prospéré. Et là, vous êtes décoré par qui? Par le président de la Mongolie. Il me remet la médaille de meilleur éleveur du pays. Est-ce que tu rêves qu'un jour le président te remette une médaille comme ça, sur la photo? Un jour, moi aussi, j'aurai cette médaille. J'en suis sûr, en fait. Je fais tout pour.
Mais pour être reconnu comme le meilleur éleveur de Mongolie, il faut que je travaille encore beaucoup. Et bien. C'est très bon, madame. Merci beaucoup. J'ai fait des efforts. Allez, fais-moi une place. Je suis contente que vous soyez venue à table. Merci. Je vais finir mon travail d'abord. Mais je suis très contente d'être à table maintenant. En plus, aujourd'hui, c'est notre fête à toutes. C'est la journée de la femme. J'avais oublié de vous souhaiter une bonne fête. Bonne fête à nous? C'est une fête importante dans notre pays. Même si parfois on travaille, c'est un jour férié en Mongolie. C'est important. Donc vous partagez la médaille avec votre femme? Sans elle, je ne serais rien. Tous les jours, on doit remercier les femmes. Elles aussi travaillent d'arrache-pied. Elles ont tellement de choses à faire. Il ne faut pas l'oublier. Elles n'arrêtent jamais. Le président aurait pu fabriquer deux médailles. Franchement. Eh bien, figure-toi que depuis cette année, l'État ne donne plus une, mais deux médailles. Donc c'est incroyable, à partir de maintenant, vous serez deux sur la photo alors. J'espère. Tu vas avoir ta médaille. Ah, merci. Je te vois là, sur ce chameau au milieu du désert. T'es une vraie femme mongole, maintenant. Des dunes, des chameaux. Tu te rends compte que là, tu as ton mâle qui t'attend. Et on va aller le choisir ensemble. Je suis vraiment content d'être là, tu sais. C'est magnifique. Autant de chameaux rassemblés ici, c'est vraiment impressionnant. Cette région est réputée pour avoir des chameaux rapides. Et c'est ça qui m'intéresse. Regardez celui-là. Il est parfait. C'est celui que tu as choisi? Oui, c'est un jeune. Son père était un excellent reproducteur. Il en sera un aussi. Il donnait beaucoup de laine aussi. Et il était rapide. Il a d'excellents gènes. C'est un de mes meilleurs chameaux. Regarde, il est vraiment très bien. Et là, en fait, vous avez montré vous avez montré un élément important du choix. Ah oui, les testicules, c'est très important. C'est vraiment un bon chameau. Est-ce qu'il vous plaît? Moi, perso, j'adore sa coupe de cheveux. Oui, il est extrêmement sympathique. Ouais. Il y a quelque chose de sympathique. Un petit côté négligé, ouais. Désinvolte. Moi, je vais lui faire un petit shampoing quand même.
Attends. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que c'est vous qui donnez le nom ou c'est Niam Suren qui donne son nom? C'est Niam Suren qui choisit. Frédéric, c'est toi qui décides. Que je serais très flatté qu'il s'appelle comme moi. Pourquoi pas? Frédéric, c'est pas mal pour un chameau. Il portera ton nom. C'est d'accord. Frédéric! Bon, quand Mélanie sera pas là parce que c'est un peu embarrassant, je t'expliquerai pourquoi t'as bien fait de l'appeler comme moi. Parce qu'on a un point commun. Il a une très bonne tête. Il est beau. C'est un bon choix. Bravo. Ah. On se fait un truc? Hein? Oh. Hmm? Non. Bah, tu m'appelles? Alors, t'es content? Hein? C'est bien. Un jour, toi, t'en auras encore plus. Quand t'es montagne. Fred! Allez, allez, on y va! J'ai envie de courir dans les vignes. Je peux pas courir! Vous pouvez pas courir? Je vais faire un câlin à la terre! Je vais faire un câlin à la terre! Oh, attends, si j'y arrive! Oh, oh la bonne terre! Merci la terre! Merci la terre! Vous savez, on en a fait du chemin pour trouver mon reproducteur, mais le plus important, c'est que je sois avec vous. Il ne nous reste plus qu'à avancer dans la vie. Mélanie et Frédéric, soyons heureux. Je suis bien d'accord. S'ouvris à la vie, elle te sourira. Regardez les enfants, on a un beau reproducteur. Il s'appelle Frédéric. Welcome, Fred. Oh là là là, attention. Oh, ok. Comment tu crois que les autres chameaux vont réagir? Ils vont bien l'accueillir? Oui, je suis sûr qu'ils l'accueilleront bien. Il deviendra vite le chef du troupeau. Pour la saison prochaine, je vais lui préparer plein de chamelles. Frédéric sera très content. Merci pour lui. Et là, il a une position un peu différente des autres. Excusez-moi, Fred, mais c'est pas très flatteur. Je sais pas ce que... Il se fait son petit rituel d'arrivée? Oui. C'est comme ça qu'il montre aux femelles qu'il est le leader. En gros, il parade devant les filles. Tu auras vu comment Fred, le chameau, essaye de draguer. Oh, les hommes font à peu près la même chose, hein.
Rentrons à la maison. On va boire un bon thé bien chaud. Et on va laisser les chameaux faire connaissance. Vous avez un bon bûcher, madame. Mais t'aimes pas faire de la cuisine, toi? Si, je cuisine de temps en temps. Mais ce que je fais est plutôt bon, je crois. Il se débrouille pas trop mal. Mais voir Niam Suren faire à manger, c'est comme voir une étoile en pleine journée. Bon, vous entendez bien, en tout cas. Hein. Est-ce qu'on peut savoir comment vous vous êtes rencontrés? Ah, ça... C'est une longue histoire. Mais si vous voulez, je veux bien vous la raconter. La première fois que je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre. C'était en été, pendant une fête. Elle était magnifique. On vivait loin l'un de l'autre, à plus de 100 km. L'hiver suivant, je suis allé la voir et je lui ai proposé qu'on se marie. Elle m'a dit qu'elle devait réfléchir, qu'il fallait que je revienne 10 jours plus tard. Alors 10 jours plus tard, j'ai galopé pour avoir la réponse. Et finalement, elle m'a dit oui. J'étais le plus heureux des hommes sur Terre. À ce moment-là, je n'ai pas du tout réfléchi à comment on allait vivre, ni à quel caractère elle pouvait avoir. Tout ce que je voulais, c'était qu'on vive ensemble. J'ai demandé sa main en janvier, et on s'est mariés en septembre. Mais est-ce qu'à un moment donné, tu dis « Waouh, mais je la connais pas, peut-être que je me trompe ». T'as eu un doute à un moment donné, entre la trouver belle et savoir que c'est la femme de ta vie? C'est une chance extraordinaire quand même. Oui, je sais. Je suis un homme chanceux. Pour l'instant, j'ai toujours pris de bonnes décisions. Parce que j'écoute mon cœur. C'est vrai que tout a été très vite. Surtout que, quand je l'ai vu pour la première fois, je ne suis pas tombée amoureuse de lui tout de suite. C'est quand il est revenu plus tard, en plein hiver. Il avait fait la route en traversant le froid, et il est arrivé avec son grand manteau. C'est là que je l'ai trouvé beau. Et puis, il était venu de si loin pour moi. Je me suis dit que je pouvais me lancer dans cette relation, et que j'apprendrais à le connaître petit à petit. Alors je lui ai dit oui. J'étais contente, et j'avais hâte de l'épouser. On s'est mariés le 9 septembre 1999. Il y a beaucoup de neufs dans cette date. C'est un chiffre qui porte bonheur en Mongolie. Je n'ai jamais regretté mon choix. Et je suis fière de mon mari. On est vraiment heureux. 9,99. C'est incroyable histoire. Toi, quand tu veux un truc... Oh, je n'avais rien prévu, tu sais. On s'est aimé, on s'est marié, et puis c'est tout. On s'entend sur tout et on a beaucoup de points communs. Je suis fier d'elle. C'est comme si j'avais trouvé la plus jolie perle de la mer. Oh. On est encore jeunes. Mais je suis sûr qu'on sera toujours comme ça, avec beaucoup d'énergie. On se dit toujours, on y arrivera. Maintenant, on est expérimenté, on est plus fort. Et avec notre jolie famille, c'est vrai qu'on est heureux. Si tu devais parler de ton mari à quelqu'un qui ne connaît pas, tu dirais quoi? C'est l'homme de la famille. Un père qui prend soin de nous tous. Grâce à lui, on ne manque jamais de rien. En fait, je suis extrêmement fière de lui. Et je ne lui trouve pas de défaut. C'est un homme qui a un grand cœur. C'est un bon père et un bon mari. Sans lui, on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui. Et je voudrais en profiter pour lui dire que je l'aime. Oh là là, mais...
Ah, vous êtes canon tous les deux. Et toi, donc, si tu devais parler de ta femme à quelqu'un qui ne la connaît pas, tu dirais quoi? C'est difficile. Je pense que je suis parfois quelqu'un d'égoïste. Ma femme, c'est mon trésor. Et elle est seulement pour moi. Si je ne dis que de belles choses sur elle à un inconnu, je risque de la perdre. Donc, je ne ferai jamais de compliments sur elle devant un autre. Ah non, j'aurais trop peur. C'est hors de question. Merci pour la réponse. Merci. Demain, il y a une course de chameaux au village. Et on va tous participer. Moi, je cours là-bas? Non, pas toi. Moi? Je suis un bon cavalier. J'ai vraiment une chance de gagner. Je vais tout faire pour, en tout cas. Je compte beaucoup sur Bourg Bayard pour la victoire. Il en est capable. Bon, allez, je vais faire dodo alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh là là. Entraîner les chameaux, mais je suis quand même content de la course. Mon grand est arrivé cinquième. Je crois que mon chameau a trop mangé. Le printemps approche, sonnant l'heure du départ en transhumance. Il est temps de conduire les animaux vers de nouveaux pâturages. Hommes et femmes se préparent au départ, alors même que nous vivons nos derniers instants auprès d'eux. On a de la chance. Il fait beau aujourd'hui. Tu t'accordais ça avant toutes les transhumances, un petit moment de calme?
J'aime bien avoir un peu de temps pour me maquiller. Un petit moment pour moi. En plus, le démontage, c'est surtout un travail pour les hommes. Mélanie, vous sentez qu'on est en train de vous déshabiller là ou pas? Il y a beaucoup de couches. Je vous assure que c'est un effeuillage. Ah oui? C'est notre yourte d'hiver. Comme il peut faire jusqu'à moins 50, on superpose 12 couches de feutre. Le campement sera démonté en moins de 4 heures. Aux côtés de cette famille, on perçoit l'immense intelligence des gestes ancestraux et de ces vies rythmées par le souffle des animaux, leur raison de vivre. À 70 ans, le père de Niem Suren vit chaque départ en transhumance avec le même bonheur que lorsqu'il était enfant. On déplace le campement 3 ou 4 fois par an. On parcourt des dizaines de kilomètres pour que les animaux aient de nouveaux pâturages. Et on réinstalle nos yurts toujours de la même façon. Je l'ai fait des dizaines de fois, mais ça me rend heureux à chaque fois. Les transhumances, c'est important pour les animaux et les hommes, mais aussi pour notre nature, pour la Terre. C'est très symbolique. Avant, on montait les plus beaux chevaux pour arriver au nouvel endroit. Et les gens portaient leurs plus beaux vêtements. Pourquoi ils mettaient leurs plus beaux vêtements, les gens? C'était pour montrer leur respect à la transhumance et à leur futur campement. On le fait toujours. Et depuis que vous êtes enfant, il y a des changements dans les pâturages? Quand j'étais petit, il pleuvait beaucoup dans notre région. Il y avait beaucoup plus de pâturages. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de pluie. Il y a plus de sécheresse. Je le constate de plus en plus. Tous les ans, c'est pire. Ça vous inquiète? Bien sûr, ça m'inquiète. Pour moi, ça va, mais pour le futur, pour mes enfants et mes petits-enfants, pour les nomades, si l'air devient trop sec et qu'il n'y a plus de pluie, il y aura encore plus de désertification. Ça me fait mal au cœur. Et attention, attache bien tout ça. On va mettre les enfants sur celui-là. Patrick, on m'appelle? Allez, faut y aller. On se dépêche. On a du chemin à faire. Il faut arriver avant la nuit. Accroche les petits. Mais c'est un manège, c'est comme un manège. Ah, c'est incroyable. Nous, on s'encombre d'un nombre de trucs superflus quand même. Hein? Parti mon kiki. Tatuo San. Au revoir, petite maison. Témoin de quelque chose qui, ouais. Qui pourrait disparaître. Ouais. Quand je regarde ma fille, je pense à mon enfance. Je voyageais exactement comme ça. J'étais à côté de mon grand frère et je lui piquais ses biscuits. C'est un beau déménagement quand même.
Qu'attendons-nous de nos vies, de notre monde? Une réponse se trouve peut-être sous cette yourte, au cœur de cette famille, si proche de l'essentiel. J'avais amené un petit truc. J'aurais dû vous le donner le premier soir, mais j'ai pas pensé. Il va falloir faire attention aux poils, hein. Oui. Ça fait durer 2h30. C'est un très beau cadeau. On pensera à vous à chaque fois qu'on le regardera. Je ne vois des chameaux qu'en Asie. En Chine et chez nous. Ils sont tous en Asie centrale, on dirait. Je vais essayer de voir si je trouve votre pays. La France doit être là où il y a beaucoup de pays. Il faut dire qu'il est tout petit, petit, petit. Hein. Dans mon pays, on croit souvent qu'on est au centre du monde, mais en fait, on est tout petit. J'imagine qu'il doit être à peu près... ici. Ouais. Nous, on a une poule, tu vois. Et alors, c'est pratique parce que pour les transhumances, on peut le dégonfler et on peut le regonfler après. Attends, on va mettre la Mongolie dans la lumière. Hop. Quand je penserai à vous, je mettrai la France au soleil. Voilà. Comme ça. J'aimerais bien la protéger, cette planète. Et la laisser à nos enfants, telle qu'elle est. Quand j'étais petit, je rêvais de devenir cosmonaute. J'aimerais bien voir notre planète de loin. Les cosmonautes disent que la Terre est bleue. C'est vrai que ça doit être tout bleu, vu de là-haut. Il paraît qu'elle est faite à 70% d'eau. Ça ne fait pas beaucoup de terre pour tous les hommes. Alors, ce serait bien si on pouvait tous y vivre en paix. Qu'est-ce que tu nous as fait, Yuntuya ? Du yak. Et de la viande de bœuf aussi. Depuis votre arrivée, je n'ai pas pu vous préparer grand-chose. On a beaucoup travaillé. Je ne vais pas vous laisser partir sans vous préparer un bon repas. Tous les jours, tu nous as fait des choses pour nous. C'est un repas de fête, le yak? Oui. Merci. Très bon. Les morsures du froid semblent plus vives ce matin, alors que l'heure de notre départ approche. Nous vivons sur la même terre, mais il faut se séparer car nos mondes ne sont pas les mêmes. Nous allons quitter cette famille exceptionnelle dont la boussole intime n'a pas été brisée. Des êtres unis par un amour inconditionnel et une extraordinaire confiance en la vie dans laquelle ils puisent leur force. Je suis déstabilisé quand tu souris pas. Ce qu'on a vécu ici ensemble, c'était formidable. Et je sais que vous allez partir, alors ça me donne plutôt envie de pleurer. Thank you.
Comment ça va? Moi, ça va, c'est pire. J'ai envie de rester sur cette note de rire et de partage. Ici, on était tellement en contact avec la terre, avec le moment. Que c'était incroyablement intense. Et cette intensité, voilà, c'est ça que j'oublie pas, c'est l'intensité du présent. Du présent qui moi, en ville, m'échappe un peu. On est tellement toujours... en train de penser à ce qu'on doit faire, à ce qu'on aurait dû faire. Il n'y a pas cette notion de présent. Et en fait, on a le sentiment de... Enfin, quand je suis arrivée ici, au fur et à mesure d'être épluchée comme un oignon et d'arriver à une forme de pureté, du moment et de vraiment rencontrer une âme, quoi. C'est une famille incroyable, ils sont tellement indissociables. Le fait de dormir dans la même yourte, de... Plusieurs fois le soir, on les entendait, ils parlaient. Il y a une notion de la famille qui est tellement incroyable. Ils partagent tout, ils se transmettent tout, ils... Ça donne envie de... Ils donnent envie d'aimer les siens. On a tellement reçu qu'on a envie de leur donner... Est-ce que vous avez l'impression qu'ils nous apprennent quelque chose sur nous, en fait? Sur soi, sur... Même sur le rapport que Niam Suren a avec la nature, mais... Oui, c'est moi, ça me révèle que... J'aime bien les gens, quoi. On est obligé. C'est ça. Il faut que tu saches que... qu'on ne vous oubliera jamais. J'aimerais te dire tant de choses. Mais c'est trop difficile. Je ne trouve pas les mots. Je te demande juste de revenir nous voir un jour. Je te souhaite un bon voyage. Promets-moi de prendre soin de toi.
Vous êtes une super famille. Ça fait du bien de pleurer. Ah, il est là.